Africain, africaine, bonjour. Ivoirien, 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 ivoirienne, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Nous sommes aujourd'hui mardi 25 novembre 2020 et j'aimerais vous entretenir. Je crois que je n'ai pas grand chose à dire. J'aimerais vous entretenir quand même. Parce que dans un combat comme celui dans lequel nous sommes engagés, est un combat de très longue haleine. Alors si on a le sentiment que parmi nous, il y en a qui sont en train de se décourager et qu'on a la possibilité d'essayer de les entretenir, il faut le faire et c'est ce que j'essaye de faire à mon humble niveau. J'ai lu, quand j'étais très jeune, un roman, un livre d'une portée humaine et historique sans pareil. Le titre, c'est Au nom de tous les miens, de Martin Gray. Martin Gray, c'est un juif qui a réussi à s'échapper des camps de concentration et qui a réussi à s'exiler aux États-Unis, qui a vécu une bonne vie, on va dire, harcelé par les souvenirs qu'il a traversés, parce que ça a été vraiment un chemin de vie incroyable. Je ne vais pas parler du roman dans son ensemble, mais je veux utiliser une phrase que son père lui a dit quand il était petit. Et cette phrase-là m'est revenue en tête quand j'ai vu deux ou trois commentaires sur une de mes publications. Et ces commentaires sont des commentaires de personnes qui sont découragées. Loin de moi l'intention de les crucifier. Non, c'est justement parce que je comprends le sentiment dans lequel ces personnes-là sont que j'ai décidé de faire ce direct. Ils étaient dans un ghetto. Ils avaient été enfermés dans un ghetto par les Allemands. À un moment donné, c'était difficile de sortir du ghetto. C'était en Varsovie. Et sortir de ce ghetto, c'était pas évident. Il fallait mentir, trouver des techniques pour pouvoir sortir du ghetto et puis aller chercher à manger. Parce que les Allemands avaient décidé de les affamer dans leur quartier. Et c'est de là qu'est parti, je pense, le mot ghetto. Et son père lui avait dit, il y a tellement d'enseignements dans ce roman-là. Mais je vais prendre seulement une petite partie. Je ne vais même pas vous faire le résumé du roman. Une toute petite partie. J'ai lu le roman en 86. J'avais 19 ans. J'ai pleuré en lisant ce roman parce que les mots que cet auteur, ce monsieur a utilisés pour envoyer son message sont des mots tellement forts et tellement puissants que tu ne peux pas ne pas pleurer. J'ai relu le roman, je crois, en 2002. Là, j'étais plus adulte. J'étais adulte. Donc, il y a certains aspects du roman que j'avais compris, que je n'avais pas perçu quand j'avais 19 ans. Mais je vous dis, à l'heure où je vous parle, ce roman, je l'ai trouvé ici au Canada, je l'ai commandé et je l'ai acheté. Enfin, je l'ai trouvé. Oui, c'est ça, je l'ai commandé et j'ai acheté. Donc, j'ai le roman avec moi ici. Je vais le relire. Aujourd'hui, à 50 ans passés, je sais que je vais le comprendre encore plus profondément parce que je suis arrivé à un certain niveau de compréhension. Mais je vais utiliser seulement une petite phrase que son père lui a eu à lui dire quand ils étaient dans le ghetto. Parce que son père est mort après. Il a été tué. Il a dit: Il ne faut pas oublier ce que nous sommes en train de vivre. Il faut construire des choses qui vont rester et qui vont être le témoignage du futur.
Quand son père lui avait dit ça à l'enfant, il ne comprenait pas pourquoi. Mais peut-être 40 ans plus tard, ce que son père avait dit s'est révélé vrai. Donc, il fallait qu'ils construisent eux-mêmes des choses autour de leur propre maison. Ils ont fabriqué des sous-sols dans leur propre maison. Parce que, selon son père, ça allait être le témoignage du futur. Mais aussi, il fallait que la rage et la colère, son père n'a pas parlé de haine. Il n'a pas parlé de haine. Il a dit que la rage et la colère vis-à-vis de l'injustice que nous vivons te permettent de vivre le plus longtemps possible. Que la colère et la rage vis-à-vis de l'injustice que nous vivons te permettent de vivre le plus longtemps possible. Mais il n'a pas parlé de haine. Alors, le titre de mon direct, c'est Maintenir la flamme allumée. Pour ceux qui sont découragés, je leur dis, c'est normal et c'est naturel. En tant qu'être humain, on aspire à une vie paisible, une vie où on n'a pas besoin de se cacher, une vie où on est libre de s'exprimer. Tout le monde aspire à ça et c'est légitime. Mais vivre dans un environnement où on ne sait pas ce qu'on va dire, on regarde à gauche ou à droite, on a peur, on ne sait pas si on va mourir demain là, ça c'est pas ce que quelqu'un souhaite. Et quand on se dit qu'on est en train de se battre pour un idéal, on veut aboutir à des résultats rapides, ça c'est tout à fait naturel et légitime aussi. Alors à ceux qui disent, ils sont découragés, ils ne voient pas où on va attraper. Personne ne maîtrise même sa vie dans une heure de temps. Là, personne ne maîtrise. On se lève chaque matin, on dit bon, je m'en vais au travail. On dit aux enfants à ce soir, on ne sait même pas si on va revenir à la maison le soir. Parce qu'on ne maîtrise pas notre vie. Mais c'est l'espoir qui fait qu'on se dit non, demain je vais aller au travail. Parce qu'on espère que le lendemain on sera vivant. On ne se pose pas vraiment la question, est-ce que je vais être vivant demain? On dit bon, on se voit demain. Mais c'est comme ça. Et souvent le demain, on n'arrive même pas, on reste dans le sommeil. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'on ne fait pas des projections dans le futur. Alors à chacun de vous, à chacun de ceux qui sont découragés, je leur dis que la colère et la rage de l'injustice que tu vis actuellement te permettent de vivre le plus longtemps possible. Martin Gray a vécu vraiment longtemps. Il était animé par cette rage. Et c'est cette rage qui lui a permis de sortir du camp de concentration. Là où on l'a envoyé, là, on ne pouvait pas sortir vivant de là. Je vais le relire. Et puis on va l'utiliser ensemble, on va l'exploiter ensemble. Parce que je l'ai. Après l'avoir lu en 86 et l'avoir relu en 2002, je le relis, je l'ai acheté. Je vais le relire encore. Alors que la rage et la colère justifiée par l'injustice que tu vis, que ton pays vit, que tes compatriotes vivent, que cette colère et cette rage-là te permettent de vivre le plus longtemps possible pour voir où est-ce que ça va finir. Ne sois pas découragé. Je veux maintenir la flamme qui a déjà été allumée. Alors, je vais vous présenter une vidéo que j'ai reçue inbox. Que cette vidéo vous permette de maintenir la flamme. Et que cette vidéo vous dise que à cause de ce que vous allez voir dans cette vidéo, ce que vous souhaitez doit arriver. Mais ce que vous souhaitez, ça va arriver. Parce qu'il y a un ordre normal dans les choses. Une injustice ne peut pas continuer indéfiniment. Non. Que tu sois chrétien, musulman, quoi, quoi. Bossoniste, peu importe. Il y a des règles naturelles qui existent. Et il faut y croire. Il faut croire en la justesse du combat que tu mènes. Il faut croire en la justesse de ce combat. Les Juifs ont cru en la justesse de leur combat. Et aujourd'hui, ils sont à la tête du monde. Aujourd'hui, on ne peut pas critiquer un juif. Même en plaisanterie, on ne fait pas humour de juif. Vous êtes témoin de tout ce qui se passe là.
Ils ont cru en leur combat. Ils ont cru en leur force. Ils ont cru en la justesse de la lutte qu'ils menaient. Alors, Ivoirien, Ivoirienne, j'aimerais te dire ce matin de croire en la justesse de ta lutte. Parce que ta lutte, elle est juste. Tu es du bon côté de l'histoire. Quand il y a mort d'homme, mort froide d'homme comme ça, on ne peut être que du côté de la justice. Parce que dans toutes les sociétés humaines, tuer est proscrit. Tuer son semblable est proscrit. C'est une vérité universelle. Alors si tu es du côté de ce qu'on tue, tu es du côté du bon côté de l'histoire. Les Juifs étaient du bon côté de l'histoire. Alors ne te décourage pas. Certains vont tomber. Certains vont continuer. Il faut pouvoir continuer. Et il faut maintenir la flamme. Je parle de la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de parti politique. Je ne parle pas de leader politique. Je parle de Côte d'Ivoire, donc du peuple de Côte d'Ivoire. Quand tu vas tenir et que tu vas gagner, ce sera toi, le peuple de Côte d'Ivoire, qui aura gagné. Ce ne sera pas un parti politique ni un leader politique. Alors, je vais vous présenter la vidéo. Que cette vidéo te permette de maintenir la flamme allumée. Accroche-toi à ce que tu vas voir dans cette vidéo pour que celle-ci te donne la force de dire, je suis vivant, je veux être vivant, je veux être vivante pour voir la fin de tout ça. Parce que tu es du bon côté de l'histoire. Malheureusement, nous ne maîtrisons pas notre demain. Donc moi qui vous dis ça, peut-être demain je ne serai même plus de ce monde. J'espère pouvoir être là pour voir la fin. Plusieurs parmi nous ont commencé depuis là. Il y en a qui sont partis. Mais que ceux qui vont rester en vie puissent être le témoignage de l'histoire que nous aurons vécue ensemble, puissent être le témoignage du chemin que nous aurons parcouru ensemble. Il neige, hein? Ça n'a rien à voir avec, avec ce qui se passe, mais je profite pour vous montrer en même temps. Il est en train de neiger.
Il neige pour toi, Côte d'Ivoire, aujourd'hui. Mais après la neige, après l'hiver, vient le printemps. Le printemps, c'est, on va dire, renouvellement de la vie. L'hiver, on considère que c'est la mort. Il fait froid. Il n'y a pas de feuilles. Il n'y a pas de fleurs. Mais pendant l'hiver, les plantes se préparent pour le printemps. Alors, Côte d'Ivoire, ça tombe très bien. Je vais profiter. C'est en hiver actuellement. Mais bientôt, les premières feuilles de ton printemps bourgeonneront. Courage. Ces images que je vous ai présentées ne sont pas pour vous révolter, mais pour vous permettre de maintenir la flamme allumée. Pour toutes ces personnes qui sont mortes, pour toutes ces personnes qui sont mutilées à vie, pour toutes ces personnes qui sont traumatisées à vie, pour toutes ces personnes qui ont sué et qui ont fait des commerces qui ont été brûlés par des individus, je ne sais même pas à quoi les comparer. Pour tout cela, la flamme doit être maintenue allumée. Tu peux être découragé, c'est normal et c'est naturel. Mais tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas abandonner. Simplement par égard pour toutes ces images que tu viens de voir, ces images atroces. Par égard pour ça. Tu ne dois pas abandonner. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit. Pour défendre ton propre pays, on te refuse le droit de défendre ton propre pays. On te nargue, on se moque de toi, on t'insulte, on te crache dessus, on te bafoue. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Que ces images alimentent ta colère, ta rage vis-à-vis de la frustration que tu vis par rapport à ça. Je ne voudrais pas que tu aies la haine, parce que la haine, elle fait faire beaucoup d'erreurs. La haine, elle aveugle, elle rend sourd. La haine, elle est incontrôlable quand elle s'installe dans le cœur de l'humain. Je ne te conseille pas la haine. Moi, je n'en ai pas. Je n'ai pas de haine. J'ai de la colère et j'ai de la rage. Ce n'est pas la même chose. La rage de vaincre, la rage d'en finir, la rage d'arracher ce que je dois arracher, mais pas la haine. La haine, elle est celle qui te détruit. C'est un poison qui entre dans ton corps et qui te détruit à petit feu. N'embarque pas dans la haine. Moi, je n'ai pas de haine contre tous ces gens qui rient, qui se moquent, qui tuent, qui quoi. Je n'ai pas de haine contre eux. Je ne veux pas avoir de haine et je ne voudrais pas que tu en aies. Je ne te demande pas de les aimer. Ce n'est pas ce que je te demande. Je voudrais que tu alimentes la colère et la rage vis-à-vis de la frustration, vis-à-vis de l'injustice que ton pays et tes citoyens vivent. Cette colère et cette rage vont te permettre d'arracher ce que tu dois arracher. Et tu ne dois pas arrêter. Même si tu as envie d'abandonner, tu ne dois pas abandonner par égard pour ceux qui sont morts. C'est ce que je voudrais t'envoyer ce matin. Et te dire que tout se fait. Tout est en train de se faire.Out est en train de se placer. Il y a des choses que tu ne verras pas avec tes yeux d'humain. Il y a des choses que tu ne verras pas avec tes yeux physiques. Mais il y a des choses qui se font. Et chaque pièce du puzzle se place. À la fin,
le puzzle sera constitué et on verra l'image définitive. N'abandonne pas. Martin Gray, il n'a pas abandonné. Il n'a jamais oublié les paroles de ses parents. Et ces images que nous avons aujourd'hui, il faut les stocker, il faut les garder, il faut les archiver. Comme les Juifs ont réussi à prouver aujourd'hui ce qu'ils ont vécu. S'ils n'avaient pas gardé ces images, on ne saurait rien aujourd'hui de ce qui s'est passé dans les camps de concentration et ce que les gens, certains ont vécu. L'humanité, elle poursuit son chemin et elle commet les mêmes erreurs. Mais nous, nous devons tirer les leçons de notre désunion. C'est notre désunion qui nous a envoyés là où nous sommes. Mais il n'arrive jamais rien pour rien. Nous avons eu la désunion, nous avons vu les résultats de la désunion, nous n'avons pas intérêt à être désunis aujourd'hui. J'entends des voix qui s'élèvent ça et là, ça dit des choses à gauche et à droite. Alassane Dramane Ouattara est illégal. S'il faut me mettre avec quelque chose d'illégal pour le combattre, je me mets avec quelque chose d'illégal pour le combattre. Ce n'est pas maintenant que je vais chercher du droit. Pendant qu'on tue mes frères, pendant qu'on tue mes mères, pendant qu'on tue mes enfants, pendant qu'on on décapite mes enfants, je ne vais pas chercher le droit actuellement. Quand tu es acculé, quand quelqu'un est en train de te tuer, tu ne cherches pas les articles de droit. Les alinéas, tu ne les cherches pas. Tu libères ton pays ou tu ne le libères pas. Tu acceptes l'illégalité ou tu acceptes Dramane Ouattara. Le choix, il est clair actuellement. Le choix, il est clair. Il n'y a pas de réflexion. Si nous ne sommes pas vraiment unis, nous n'allons pas réussir. Si nous ne sommes pas déterminés, cette froide détermination qui doit nous habiter, c'en est fini de nos générations futures. Et ça aura servi à rien. Toutes ces morts, non. Ces morts doivent servir à quelque chose. Ces morts doivent arroser la terre de Côte d'Ivoire pour donner de nouveaux fruits, pour donner de nouveaux plans. Une nouvelle génération d'Ivoiriens. C'est elle qui est en train de naître là. Prie ton Dieu. Prie ce en quoi tu crois pour te demander de te donner la force pour tenir. Pour ne pas abandonner. Parce que chaque soupir que tu pousses, chaque prière que tu adresses n'est pas perdue. Continuons de soupirer. Continuons de soupirer. Parce que nos soupirs apportent de l'humus à cette nouvelle génération d'Ivoiriens qui est en train de naître. Cet Ivoirien qui va dire mon pays d'abord, avant mon parti politique. Parce que ton parti politique, ce n'est pas lui qui va sauver ton pays. Mais ce sont tes frères et sœurs, quand vous allez vous mettre ensemble, que vous allez réussir à sauver vos pays. Le parti politique, c'est quelque chose d'abstrait. C'est des textes qu'on écrit. Mais une vie, ton frère, ta sœur que tu vois, c'est un être humain comme toi. Ça, c'est du concret. Ton leader politique, c'est un être humain comme toi. Alors, au lieu de défendre ton parti politique, de défendre les idéaux de ton parti politique actuellement, tu ne penses pas à ton pays, c'est des idéaux de parti politique que tu es en train de défendre. Tel a fait ça, tel a dit ça, tel a fait ça, tel a fait ça, mais c'est que tu n'as rien compris. Parce que si tu n'as plus de pays, ton parti politique, tu vas le faire où? Tu vas aller à tes réunions où? Tu vas continuer à faire tes réunions de partis politiques dans les pays où tu es? À un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Ton parti politique, ce n'est pas lui qui va sauver ton pays. C'est ton frère, ton frère, ta soeur, ton cousin, ta voisine. Quand vous allez vous mettre ensemble, vous allez réussir à libérer votre pays. Ceux qui sont morts, ils ne doivent pas être morts pour rien. Sinon, nous serons maudits à jamais. Si le sang a coulé pour rien, nous serons maudits à jamais. Et moi, je ne vais pas être maudite par le sang de mes frères. Je ne vais pas être maudite par le sang de mes enfants.
Je ne veux pas être maudite par les cris d'agonie de mes frères que je n'ai pas entendus, mais que j'imagine. Quelles ont été les dernières pensées de ces personnes avant de mourir? Quelles ont été leurs dernières pensées? Quelles ont été leurs dernières pensées avant de rendre l'âme? Personne ne saura. Mais on peut imaginer que la rage et la colère de la frustration que tu vis te permettent de tenir. Ivoirien, Ivoirienne, tu as un pays à défendre. Arme-toi de courage. Parce que ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas un 100 mètres plat. Non. Je vous souhaite une très bonne journée. C'est le message que j'avais envie de vous envoyer quand j'ai reçu la vidéo inbox. Et j'ai utilisé une phrase qu'a dite le père de Martin Gray, dont je vous ai parlé en début de ce direct. Martin Gray, qui est un rescapé des camps de concentration de Treblinka. Il raconte son passant, son chemin. Il raconte son histoire avec des mots forts, des mots qui font pleurer. J'ai lu son roman en 86. J'ai pleuré, c'est vrai, mais j'étais très jeune. J'ai relu le roman en 2002. Et je suis venu au Canada ici, je l'ai cherché, je l'ai trouvé, je l'ai commandé. Et j'ai acheté j'ai reçu le roman. Là, je ne sais pas, il doit être dans un carton quelque part là-bas. Je vais le relire encore et je suis sûr qu'il y a d'autres choses que je vais comprendre parce que là, je suis arrivé à un certain âge qui peut me permettre de comprendre des choses. Bonne journée à vous. Son père lui a dit que la rage et la colère de la frustration de ce que nous sommes en train de vivre te permettent de vivre le plus longtemps possible pour voir jusqu'où ça va aller. Que tout ce que nous posons comme acte aujourd'hui, nous posions des actes pour que la postérité puisse voir ce que nous avons vécu. Alors ces vidéos, ces photos, tout ce que nous voyons aujourd'hui, il faut les stocker, il faut les garder bien quelque part. Et quand tu vas raconter un jour, si Dieu t'a donné la vie de pouvoir d'être encore là, tu pourras raconter, tu diras j'étais là. De là où tu es, tu participes. Tu participes quand tu publies tu partages les vidéos, tu participes comme ça. C'est ta façon à toi de participer. Ce n'est pas forcément parce qu'on n'est pas sur le terrain que ça veut dire qu'on ne participe pas. Tes prières que tu adresses, elles participent. Tes larmes que tu coules, qui permettent d'arroser le sol, elles participent. Tout le monde participe. Chacun fait sa part. Des hommes politiques à la femme qui vend les gombos au marché. Tout le monde fait sa part parce que tout le monde gémit. Et les gémissements que nous poussons, les larmes que nous coulons montent là où elles doivent monter. Vont là où elles doivent aller. Laissez les gens qui rient continuer de rire. Laissez-les rire et qu'ils rient encore et encore. Qu'ils se réjouissent encore et encore. Qu'ils battent des mains encore et encore. Mais la froide détermination qui m'habite et qui vous habite, j'en suis sûr, aura raison de tout ça. Parce que nous sommes du bon côté de l'histoire. Bonne journée à vous. Méditons toujours. La victoire sera de notre côté. Quand est-ce qu'elle viendra? Je ne sais pas, mais elle viendra. Elle viendra. Et restons focus sur notre pays. Sur notre pays. Pas sur notre parti politique qui ne peut rien nous apporter. Soyons focus sur nos frères et sœurs parce que c'est avec eux qu'on va construire la Côte d'Ivoire et non avec les partis politiques qui nous ont assez divisés. Ivoirien, il est temps de comprendre que tu as une nation à créer. Le un pour tous et tous pour un, il doit être de mise maintenant. Quand on attaque un Ivoirien, tous les autres Ivoiriens doivent se sentir concernés. Mais il ne faut pas chercher à savoir il est de quel parti politique, qui est son leader. Et c'est en fonction de ça que tu vas le juger ou bien le cataloguer. Non. Est-ce qu'il est Ivoirien? Oui, alors tu vas le défendre. Parce que c'est ton frère, parce que c'est ta soeur si elle est Ivoirienne. Parce que c'est ta fille, parce qu'elle est Ivoirienne. Il est arrivé un temps où on doit comprendre que c'est ton frère d'abord. Ça se fait ailleurs. Je me donne le droit de considérer que c'est l'Ivoirien d'abord et je l'assume.
Je l'assume. Il n'arrive jamais rien pour rien dans cette vie. Alors si les événements que nous avons vécus, que nous vivons, ne nous permettent pas de comprendre que nous avons un pays, un peuple à préserver et à être ensemble, c'est qu'il faut désespérer de l'Ivoirien. Il faut désespérer de l'Ivoirien. Tu es mon frère, tu es Ivoirien. Tu es ma soeur, tu es Ivoirienne. Tu es ma fille, tu es Ivoirienne. Si tu as décidé de venir vivre dans mon pays et que tu es avec moi dans ce combat, tu es mon frère. Il va falloir qu'on réfléchisse comme ça désormais. Bonne journée à vous. N'ayez pas la honte, n'ayez pas la haine dans votre cœur. N'ayez pas la haine dans votre cœur parce que la haine, elle détruit et elle aveugle. Elle rend sourd. Parce que quand tu as la haine, tu n'écoutes plus. Quand tu regardes les événements, tu sais qui a la haine dans le cœur. Quand on regarde les événements de Côte d'Ivoire, on sait qui a la haine dans le cœur. On sait de quel côté est la haine. La haine, elle n'est pas du côté de celui qui est attaqué. La haine est dans le cœur de celui qui attaque. Et comme toujours, qui veut toujours donner, qui veut toujours mettre la responsabilité de tout sur les autres, non, on la refuse. Nous ne sommes pas des personnes haineuses. Et je ne vous conseille pas la haine. La colère, oui. La rage, oui. Mais pas la haine. Bonne journée. Je vous embrasse très fort. Et restons focus sur notre pays. Parce que nous sommes du bon côté de l'histoire. Et nous allons gagner. Nous allons gagner. Ivoirien d'abord. Merci et bonne journée.